Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog décoration. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la décoration de l'appartement. On va réinstaller les décorations automnales, les petites citrouilles, les petits champignons, etc. Donc j'ai trop hâte de tout vous montrer. Je vous ferai, je pense, un réel sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker de l'avant-après de l'appartement avec toutes les décorations. Il y a Eros qui n'arrête pas de faire des bêtises, mais qu'est-ce qu'il fait? Les décorations sont en dessous de mon lit. C'est un véritable bordel. Mais bon, on va y arriver. Donc c'est parti, let's go pour les décorations automnales. Déjà, on va enlever toutes les décorations un petit peu estivales, genre les bougeoirs, pastèques, fraises, etc. Et puis on va rajouter tout ce qui est un peu plus champipi, quoi. Je me permets de vous interrompre dans ce vlog. Alors déjà, premièrement, est-ce que vous voyez Prince là-bas? Il est si mignon. Eros aussi est adorable. Il est au niveau de la porte-fenêtre. J'essaie de vous mettre un petit plan juste là de sa tête. Il est vraiment adorable. Bref, je me permets de vous interrompre. Vous avez quand même des petits spoils, je suis désolée. Pour vous montrer ce que j'ai reçu de la part de YesStyle. J'aurais pas le temps de vous le montrer après, donc c'est pour ça que j'en profite pour dans cette vidéo. Donc j'ai fait une commande sur YesStyle. J'avais un bon cadeau qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est des produits qui ont été offerts. Donc je vais vous montrer. J'ai voulu tester un peu plus leurs vêtements et aussi la skincare. La skincare, c'est vraiment un truc sur YesStyle, c'est un truc de ouf. Donc vous avez toujours mon code promo, c'est PANDAPI je crois. Vous avez moins 10% sur tout le site, n'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse. Ce que je vous conseille vivement sur YesStyle, c'est tout ce qui est vraiment skincare, les masques, les machins, les crèmes. Skincare est vraiment incroyable sur YesStyle, donc n'hésitez pas. Du coup, moi j'ai pris quelques vêtements et de la skincare, donc je vais vous montrer. Donc déjà, premièrement, cette jupe, elle est super longue. C'est une jupe, je sais pas si vous verrez un petit peu la matière avec les poils de prince, vraiment très comfy, la matière est vraiment incroyable. Je vous l'ai montré dans mon réel outfit avec la jupe et le pull vert, je trouve ça magnifique. Elle est hyper comfy, elle est pas transparente et elle arrive bien à harmoniser les courbes de la femme. Ça fait pas un truc moche, vous savez, comme ça, ça vraiment ça unifie bien, je sais pas comment c'est possible. La matière est incroyable, on voit pas les traces de la culotte, enfin vraiment... très très bien, ça je peux vous conseiller. Donc je vous mettrai les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris un pyjama, alors ça va être un pyjama plutôt pour l'été parce qu'il est assez fin. Donc c'est un pyjama jaune, un peu vichy comme ça, mais jaune, je trouve ça magnifique. Les petites bordures là comme ceci, bleu, c'est trop trop beau. Le short est comme ceci, donc assorti, c'est trop trop beau. Au niveau des tailles, prenez une taille au-dessus à chaque fois. Moi j'ai pris une taille M, j'aurais pu prendre une taille L parce que c'était bien, mais ça aurait pu être un peu plus comfy. Donc j'aurais dû prendre la taille un peu plus au-dessus. Mais vraiment ça, trop trop beau. Je vous conseille pour l'été, c'est trop beau. Ils font dans plusieurs couleurs en plus. Donc moi je préférais le jaune parce que bah, j'en avais pas. Mais du coup ça c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai eu deux petites déceptions du coup. Donc c'était cette robe qui était vraiment très jolie. J'aimais beaucoup en fait la forme de la robe, etc. Sauf que c'est beaucoup trop petit au niveau des épaules et je l'ai pris en taille M. Donc ça c'est plus pour une taille un peu plus taille S je trouve. Pour ça prenez toujours une taille au-dessus. Elle était vraiment très très belle donc je pourrais pas la mettre malheureusement. Donc je suis un peu déçue de pour la taille mais bon je vais essayer de voir si je peux changer au cas où. Ensuite une autre robe. Alors celle-là je pensais qu'elle était plus blanche. En fait elle a apparu rosée. Donc j'étais un peu moins convaincue du coup. Elle est trop grande pour moi, je sais pas pourquoi. Au niveau de la largeur de la taille c'est trop grand. Mais franchement si elle était à ma taille je pense que ça aurait été hyper beau, hyper bohème. Hyper longue, hyper jolie. Moi c'est trop ce genre de robe que j'aime mettre l'été. Enfin si vous aimez ce genre de style, il y en a quand même pas mal sur YesStyle. Donc là j'avais pris en taille M je crois. Mais j'aurais dû prendre en taille S. Donc regardez bien les avis et les mensurations. Moi je l'ai pas trop fait mais j'aurais dû faire. Un peu dégoûtée parce que j'étais assez... Enfin j'aimais beaucoup le motif et la forme aussi, un peu bohème, un peu style Bridgerton. J'aimais beaucoup. Mais bon, ça ne me va pas donc tant pis. Donc voilà en tout cas pour mes habits pour YesStyle. En plus de la gaffe à dos, j'ai acheté du coup de ma propre poche du skincare parce que j'aime beaucoup. Donc ça c'était un masque à 1€. Ils sont vraiment pas chers hein, sur YesStyle. Donc ça c'est un masque que beaucoup de gens m'ont dit de bien. Donc c'est un sheet mask avec la niacinamide. Vous le voyez en plus sur le packaging, ça vous permet d'avoir un peu plus de luminosité au niveau de votre visage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça j'en avais pu. J'ai pris du coup des collagen eye patch. Donc c'est ce qu'on met en dessous des yeux. Et ça je le mets directement au frais. Et c'est à l'acide hyaluronique. Donc ça trop contente, c'est vraiment pas trop cher non plus. Regardez-moi cette boîte comme elle est belle. C'est trop joli. Donc ça j'avais déjà testé des masques de cette marque là. C'est Aronix. Il y a 60 par eye patch. Et du coup, voilà, c'est hyper bien. Enfin, franchement, la skincare là-bas, c'est très très bien. Les yeux fermés, allez-y. Pour bien, vous avez une petite spatule à l'intérieur. Donc ça, je l'ai acheté, je crois, à 10€. Et franchement, c'est
Une très bonne marque, c'est toujours très bien. Voilà pour ma petite sélection de chez YesStyle. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas mon code promo si, voilà, si vous voulez commander sur YesStyle, c'est toujours intéressant d'avoir moins 10%. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, cette décoration de l'appartement. Toutes ces petites décorations là, comme ça, on va les enlever, on va les ranger. Ici, je pense mettre aussi de la déco. Donc ça fait un petit peu trop estival peut-être. Ah, c'est un champipi, donc c'est dans le thème. Mais oulala, ma plante est en train de mourir. En même temps, j'arrive pas à la sauver celle-là. Là-bas, c'est pareil, genre vibe, manifeste, tout ça, on va pouvoir le ranger. Là, elle est tellement grande. Je sais pas comment elle a fait. Et on mettra aussi des décorations au niveau des fenêtres. Alors moi, je décore uniquement le salon. Je ne décore pas tout l'appart, hein, parce que sinon, c'est un gros bordel. Je décore uniquement le salon de tout ce qui est automnal. Donc, on mettra des petits trucs ici, comme d'habitude. Des petites décos aussi sur l'étagère. Et j'ai fait une superbe tarte. Regardez-moi ça. Elle est incroyable. C'est une apple tart façon Amsterdam. Je vous ai partagé la recette sur Instagram. N'hésitez pas à checker. Et regardez-moi ces ongles. Alors, j'ai fait mes ongles hier soir. J'ai fait un petit bordeaux foncé. Oh, je trouve ça trop, trop beau. Genre vraiment pépitas pépitos. Et j'ai mis mon petit pull qui vient de Fripp. Il est vraiment trop trop beau. Il gratte un peu. Donc si vous avez des conseils pour les pulls qui grattent, on m'a dit de le foutre au congèle. Je me suis dit, oulala, c'est quoi cette technique? Faut le mettre au congèle pendant 2 jours, je crois. Ça resserre les fibres ou je sais pas quoi. Ou foutre dans un adoucissant pendant je ne sais combien de temps. Du coup, j'ai pas fait. Parce que j'attendais des retours un peu plus, je sais pas, un peu moins risqués. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour les pulls qui grattent. Donc moi j'ai mis un t-shirt en dessous au cas où. Et j'ai retroussé pour avoir un peu moins les bras qui grattent. Mais bon. Donc on va aller en dessous du lit chercher toutes les décorations. J'ai mis ces draps là, donc c'est des draps qui viennent de chez H&M. C'est trop trop beau, ils sont vraiment d'une bonne qualité. J'avais payé 45 €. Ça fait partie d'une parure de lit que j'avais acheté sur Shein, qui est vraiment très jolie avec des petites fleurs. Le drap, et là c'est une tête de traversin de Anne de Solène, vraiment très bien aussi. Ouh, les décorations de Tonasson juste là. Donc il va falloir tout retirer, je pense que c'est faisable. Écoutez, à mon chacha. Ça va être sympa, hein, parce qu'entre Heroes qui va bouffer toutes les décos, ça va être génial. J'ai éventré le sac parce que j'arrivais pas à le sortir. Du coup, voilà toutes mes décorations. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre aux fenêtres. J'ai ça aussi qui s'est cassé, donc il va falloir que je le recolle. Ça, c'est des petites décorations. Des champipis. Gland, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Mes super fantômes et citrouilles. Ça c'est des trucs que j'avais peints. Je sais pas si je vais les garder en soi. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de petites choses, des petits champipis. Ça, j'adore, c'est un bougeoir. Qui chauve-souris. La part des décorations vient de chez Action et BM. Voilà, je vous avais déjà fait des hauls là-dessus. N'hésitez pas à aller checker, c'est trop mignon. Voilà, et j'ai la petite assiette juste là. Donc, let's go pour décorer tout ça. Quoi. On va commencer par quoi? On va peut-être commencer par les fenêtres. Alors, on va faire la première guirlande. Donc, c'est celle-là. Je crois qu'elle vient de chez Primark dans mes souvenirs. Il faut savoir que, du coup, si on met ça, eh ben, on peut plus ouvrir les rideaux. Ça donne chaud de mettre une guirlande sur une fenêtre. J'ai vraiment galéré. Je sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être là comme ça, vu que je suis devant la fenêtre, vous verrez qu'il y a une petite guirlande. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt joli. J'aime beaucoup. Donc on va faire la même chose pour les deux autres fenêtres. Là au moins, tout est bon, tout est bien accroché. Eros, putain, je fais... qui est du coup dans les décorations. Ah, moi j'ai ça, c'est bien. Hein. Bon, maintenant on va s'occuper de la déco du meuble. Ouf. On va enlever tout ce qui est décoration estivale, comme je vous disais. On va les ranger. Et on va placer. Il me semblait qu'il y avait plus de déco d'Halloween. J'ai mis des petites feuilles juste là pour que
que ce soit un peu plus joli. On est en contre-jour, c'est un peu galère de vous montrer, mais voilà ce que ça donne avec les petits feuilles, je trouve ça trop joli. J'ai du coup mis mon petit champignon là avec une grosse bougie à l'intérieur, une bougie noire. Vous savez bien, j'avais des bougies champignons qui me restaient, c'était en dessous de lui, j'avais pas vu. Donc cette petite bougie qui vient de chez Primark. J'ai vraiment acheté aucune déco automnale cette année parce que j'en ai pas trouvé. À Primark j'en ai pas trouvé, donc je suis extrêmement dégoûtée, ou alors c'était vraiment pas très joli. J'ai mis le petit champignon, l'autre champignon bougie, le fantôme bougie, l'autre champignon, un petit gland, le chat noir qui était déjà là de base. J'ai retrouvé mes petites bougies automnales. Donc c'est celle-là en fait, c'est les Yankee Candle. Donc celle-là je vais les mettre dans petit rond en fait. Donc c'est ça, donc il faut déjà que je recolle ça. Ensuite là ça a un petit peu changé, j'ai mis cette petite guirlande citrouille. Je l'ai reçue en fantôme et en tête de mort, mais à chaque fois j'arrive pas à les mettre, je trouve pas d'emplacement. Donc là je me suis dit pourquoi pas mettre ça là, sauf que j'ai plus de piles pour l'allumer, donc un peu dégoûtée. J'ai mis une citrouille blanche, ça là le bougeoir chauve-souris avec ma bougie fantôme, je sais pas si vous la verrez bien. Quelques petites feuilles de côté. Donc c'est assez joli je trouve. Là c'est vraiment le truc qui est le plus décoré je trouve, avec mes petites statues. Donc c'est des statues qui viennent de chez BM, les petits champignons ça vient de chez Primark je pense. Et les feuilles aussi ça vient de chez Action Primark. Donc c'est vraiment plutôt joli je trouve. En plus ça s'allume la nuit vu que j'ai une petite guirlande autour, faut que je change les piles parce que là c'est plus possible. C'est assez soft en plus. Donc je vais installer aussi ça. Donc c'est des trucs qui sont avec des piles. Je sais pas si je les ai laissées les piles, j'espère pas. Ah si, je les ai laissés. Bon bah voilà, c'est avec des piles. La prochaine étape, c'est du coup de changer les housses de coussin. Alors j'ai remarqué que j'ai plus du tout de housses de coussin. Ou alors je sais pas où est-ce qu'elles sont, mais automnales. Je n'ai juste ça. Donc j'ai pas vraiment grand chose, mais bon, on va faire avec. J'ai aussi du vert. Ça fait un peu pour Noël et l'automne. Et j'ai un peu de orange, mais c'est pas le même orange, donc c'est un peu chelou. Si vous voulez changer la déco de votre appartement, franchement les housses de coussin, c'est... c'est la meilleure astuce, c'est à bas prix, c'est les housses de coussin, je les ai achetées à Primark, c'est vraiment pas cher et n'hésitez pas, donc si vous voulez changer votre intérieur, vous n'avez pas beaucoup de budget, les housses de coussin c'est vraiment bien. Toutes les décorations que j'ai là, je crois qu'il y en a pour moins de 50 euros. Les trucs qui m'ont coûté le plus cher c'est la guirlande, c'est les guirlandes qui sont juste au-dessus de mes fenêtres, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais sinon le reste... c'est 1€, 2€. Et donc après on va faire la petite vidéo donc avec le réel etc pour Instagram. Voilà ce que ça donne avec la petite décoration. C'est assez subtil je trouve. Donc on a le feu de cheminée, on a le petit rose qui est vraiment dans le thème, le fantôme qui est juste là. J'adore les grandes guirlandes comme ça, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment assez soft et du coup j'ai mis la petite bougie au milieu avec ça. Ça bah du coup je voulais montrer. C'est vraiment trop joli, ça fait pas trop chargé non plus, donc trop contente. J'ai allumé la petite maison, les petites décos sont juste là, franchement c'est trop choupi. Prends ce qui est dans le panier comme d'habitude. Non vraiment c'est trop mignon. Donc l'avant et après est plutôt joli je trouve. J'ai aussi mon petit bol fantôme juste là. Donc vraiment je suis très contente, ça rend super bien. Donc si vous voulez aller voir la vidéo pour l'appartement tour avec la décoration sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ça m'a pris environ 2 heures, donc c'était largement faisable aujourd'hui, en plus il y a une belle luminosité, donc je suis super contente. Là ça y est, il y a un nuage, du coup ça devient tout bleu, enfin vous voyez c'est hyper chiant quand tu dois filmer, il y a des plans, bah du coup il y a la luminosité qui fait que changer, enfin c'est vraiment assez chiant. Donc ça va durer même pas un mois en fait, ça, puisqu'on va décorer le 1er décembre. Donc ouais, ça va être plutôt sympathique. Donc cet après-midi, rien d'intéressant, ça sert à rien de vous vlogger, mais je vais devoir poster des colis Vinted. Et je devais faire aussi des lookbooks pour l'automne. Je sais pas si je vais avoir le temps là, pour le faire là maintenant. Mais j'aimerais bien le faire parce qu'en fait c'est une belle luminosité et c'est plutôt pas mal. Et c'est... mais j'ai la flemme. J'ai un petit peu la flemme, mais il faut que je me motive. Donc je vais faire mes petits lookbooks, je vais poster mes colis Vinted et puis bah le résultat sera sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas à regarder, c'est ElisaBRTOff, mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'ajouter, etc. On partage de bons moments ensemble, je vous partage plein d'astuces et tout, donc n'hésitez pas à aller checker sur mes réseaux sociaux. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, c'est le cas, à me rejoindre du coup sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas, je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye.